Faut pas faire peur aux gens comme ça, non? Bon, là, ça va être l'heure. On va partir chez Tony. Il y a un vétérinaire qui va faire des prélèvements sur les tortues pour voir s'ils n'ont pas des microbes qu'elles pourraient donner à ceux qui sont dans la nature. Donc, on va aller voir ça. Allez, je finis ma bière et on y va. Voilà, on arrive au bout des 3 ans et demi. On a suivi un protocole suisse suite à une saisie de la gendarmerie sur les tortues Podoglémis. On a aujourd'hui 51 bébés, on en est fiers. C'était le but aussi de l'association des Grades Tortues Guyane, agir sur un plan pragmatique dans l'environnement guyanais. On y est. Demain, elles vont se retrouver dans la nature. On a fait les analyses, il n'y a pas de souci. On va relâcher donc 51 spécimens. Avec l'OFB, avec la gendarmerie, avec les gens de l'association aussi. Donc le but c'est d'essayer de faire en sorte que les groupes d'animaux dans la nature arrivent à subsister. Je ne pense pas que sur cette espèce il y ait un gros danger à partir du moment où on respecte l'environnement. Ah, vous êtes là? C'est le petit déj avant de partir à Cacao. Je n'ai pas passé une bonne nuit. Les trois tortues en rouge. Les futurs relâchés. Bon, elles ont bien voyagé. T'avais pas peur qu'elles prennent froid? Donc il pleuvait pas, c'était bon. Voilà, Fred n'a plus de vernis à ongles. Vous pouvez passer dans les tortues.
Taille maxi, la femelle fait à peu près 55 et le mâle fait 40. Et la femelle, en fait, là pour l'instant. Stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah, I'm coming home. Savannah, Savannah, the beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah.
Non, elle ne reste pas. Elles sont un peu... Elle change, du, ça change des bassins. Hein. Elle regarde en bas. Elle dit... Elle se demande. Elles sont. Elles sont un peu. Je veux rentrer à la maison. Thank you.
Ouais, ben là, on peut... Un jour ça sera.